contente de vous retrouver pour un haul de chez Action. Donc j'en ai eu pour à peu près une cinquantaine d'euros. Non, même pas que 40, dans les 44 euros, un truc comme ça. Donc pour commencer, j'ai pris une trousse parce que je la trouvais bien complète et j'avais l'intention de changer ma brosse. Donc après, voir ce que ça vaut, hein, parce que c'était pas très cher, 4 euros et quelques. Donc là, on va voir ce qu'il y a dedans parce qu'ils disent qu'il y a plein de choses. Donc il y a des petits pinceaux maquillage, mais alors ça franchement c'était pas utile. Hein. Deux petites pinces, ça peut être sympa. Et vous avez deux peignes. Alors attendez, on va ouvrir. Alors, les petites pinces. Oh, elles ont l'air. Ça a l'air d'être dur. Hein. Donc deux petites pinces. Vous avez le peigne comme ça. Ça c'est bien ça. Pour faire les raies et tout, même pour les tresses. Et un peigne basique. Bon, par contre, ce peigne-là, il n'est pas. Ça, on ne voit pas que c'est solide. Hein. Après, il y a des élastiques. Alors vous avez des élastiques. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez les élastiques comme ça. C'est qu'il n'y a pas le truc en ferraille où ça pète. Là, franchement, c'est nickel ça. Après, donc vous avez ben, tout ce qui est le set garniture. Garniture. Ouh là là. Oui, le maman. Set pédicure. Donc vous avez le petit ciseau, la petite lime, pour les cuticules, je crois que ça. Je sais pas. Moi, ouais, peut-être. C'est un truc. Un coupe-ongle, une pince à épiler. Donc voilà. Et non, il y a le cuticule. Je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord. Voilà. Il y a ça. Le plus important, la brosse à cheveux. Ah, par contre, elle a l'air d'être bien. Oh. Et en plus, j'adore la couleur. C'est girly. Après, il y a un petit miroir, mais ça, c'est fou, hein. Après, vous avez les limes à ongles. Alors ça, c'est pareil. Hein. Vous savez, c'est les limes à ongles qu'on achète en lot souvent. Mais ça, franchement, c'est pas du solide. Et des barrettes. Et ça, même, on peut s'en servir aussi pour les chignons. Voilà. Parce que moi, je m'utilise souvent. Et moi, je sais que ma mère, quand j'étais plus jeune, enfant, elle me mettait les barrettes comme ça, mais c'était noir hein, à l'époque. Il n'y avait pas toutes les couleurs maintenant. Donc ça, voilà. Voilà ce qu'il y a dans la trousse. C'est quand même pas mal. Ça, mais c'est surtout pour la brosse à cheveux. Mais bon, pour 4 euros et quelques, c'est bien. Pour une petite jeune fille aussi qui veut faire des trucs, eh bien, c'est sympa. C'était la dernière en plus qui restait. Après, j'ai pris 5 chiffons. Donc, c'est des chiffons pour les miroirs, les vitres. J'ai vu une vidéo, franchement. Ça a l'air d'être, même pour la voiture et tout ça, pour laver, nettoyer les vitres de la voiture et tout, vous frottez quand, bien sûr, vous enlevez tout ça, et après vous lustrez, et ça fait, les vitres, ils sont super. Donc j'en ai pris 5, parce que comme ça, quand je ferme mes carreaux, et comme c'est des baies vitrées, et comme ça, ben, j'essayerai même mon miroir dans ma salle de bain. Après, et même moi avec ma voiture. Hein? Et moi aussi avec ma voiture. Voilà, ma fille elle va l'essayer puisque elle faut qu'elle change son A vu qu'il commence à plus se voir. On y a été déjà à la base, juste pour ça. Et on n'a pas trouvé à Action. Et après on a dit bon, on va aller voir vite fait à Géant. Il n'y en avait pas. Oh, il n'y a rien. Par contre, on a été choqués avec ma fille. Il y avait un rayon de chez Claire's. Claire's qui s'implante. Donc. Alors, par contre, on a pris, j'ai pris des brosses à dents Oral-B. C'était dans le rayon de la semaine. Donc, il y en a 3. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a un indicateur qui annonce quand il faut les changer. Et ça, c'est pas mal. Donc, on va essayer. Donc, voilà. Après, j'ai pris mes gourdes. Je les ai trouvées. Je suis contente. Je m'en suis pris 2. Parce que la dernière fois, ben, j'étais obligée de jeter la mienne qui était morte. Il y avait une odeur, j'avais beau la laver et tout, ben, c'est pareil, elle était foutue. Donc là, j'en ai pris 2. Comme ça, j'en ai une de rechange au cas où s'il y en a une qui... Et là, je vais pouvoir mettre mon thé parce qu'en ce moment, ben, tous les matins, ben, c'est reparti.
Je bois plus qu'un café par le matin, vu qu'il fait chaud, je supporte pas. Et après, je bois ma gourde de thé infusée à froid, mais je bois ma gourde le matin. Et ça y passe. Mais là, je vais pouvoir mettre ma gourde. Je vais pouvoir mettre mon thé et boire au boulot, parce que l'autre, c'est pas vraiment pratique. Je suis obligée de chaque fois de faire suivre mon verre en plus pour boire, quoi. Donc là, je suis contente, j'ai trouvé. Après, je me suis pris ça. Donc, c'est de la lotion, apparemment. C'est pareil. En regardant des vidéos, ben, j'ai appris un truc. C'est que moi, quand je mettais l'eau micellaire, c'est pour ça aussi que ça méritait la peau. Mais je ne savais pas que l'eau micellaire, fallait la rincer après. Donc, et j'ai vu une vidéo, donc une youtubeuse que je suis, c'est Laurette. Elle prend ça pour nettoyer sa peau juste après l'eau micellaire. Donc je vais essayer, voir déjà si je supporte, mais je pense qu'il y a... Normalement, je vais supporter. Donc c'est Coconut Water. Donc voilà. Et après, ça fait, vous le machinez, ça fait de la mousse et tout, vous mettez. Donc, à voir. Mais je pense que je m'en servirai plus cet hiver que cet été, puisque l'été, si je me mets du maquillage ou même de la crème, ça dégouline, c'est horrible. Donc, c'est pas la peine. C'est user de la matière pour rien du tout. Après, j'ai pris des piles. Parce que depuis qu'on a le nouvel appareil, maintenant, c'est des piles plates qu'il faut pour le décodeur télé de chez Orange. Il faut des piles plates. Et c'est un bouffe-pile. C'est cas de le dire, hein. Là, on a changé les piles. Il n'y a pas longtemps, ils nous disent que les piles sont déjà presque déchargées. Alors qu'on n'est pas tout le temps... Déjà que la télé, la plupart du temps, la journée, elle est éteinte. Et après, on n'est pas tout le temps sur la télécommande, quoi. Donc, c'est un bouffe pile, hein, leur truc. Mais donc j'ai pris des piles. Bon, il y a différentes... Deux tailles, je crois. Je crois qu'il y a deux tailles. Ouais, mais celle qu'il nous faut, c'est 32, quoi. Ouais, bah non, c'est que des 32. Ah, bah voilà, très bien. Voilà, je croyais en avoir pris 3 paquets, moi, je croyais, mais non. Après, j'ai pris du dentifrice, parce qu'il m'en reste presque plus. Donc, j'ai dit, je vais en prendre. Donc, j'ai pris Aquafresh. Donc, j'ai pris celui-ci, Aquafresh, c'est Active White. Donc, c'est un tube de 125 ml. À 1,99€, franchement, vous allez en magasin, ça coûte plus cher. Hein. Surtout à Aquafresh, ça doit coûter dans les 3 ou 4 euros. Après, je sais pas, parce que comme j'y vais plus dans le rayon, j'achète plus mon dentifrice, du coup, en grande surface, j'achète que chez Action. Donc maintenant, les prix, je les vois plus en grande surface, ça doit chiffrer. Après, donc, j'ai pris du Signal. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est Fresh Natural. Donc, c'est au zinc minéral, origine naturelle. Haleine fraîche, tartre, blancheur, émail, sensibilité, protection, deux fois plus efficace. Et c'est un tube de 75 ml. Et après, avec ma fille, on a dit qu'on va essayer. Donc, c'est Oral-B. Oral-B élimine jusqu'à 80% des taches et procure une fraîcheur durable. Menthe poivrée. Mais je sais pas, parce que sur leur truc, ils disaient menthe pétillante. Donc là, ils n'en parlent pas. Mais bon, on a dit, on va essayer. Et c'est un tube de 75 ml, je crois. Oui. Et on a pris aussi celui-ci d'Oral-B aussi. C'était les promos de la semaine. Hein. Donc, fraîcheur intense, fraîcheur instantanée durable, menthe fraîche complète. Voilà, 75 ml. Après, ma fille, j'y ai pris ça. C'est une lotion pour le corps. C'est... C'est un auto-bronzant. Et c'est un truc de tanne. Ça veut dire que c'est un auto-bronzant. Bah, je crois pas. Hein. Si, c'est un auto-bronzant, mais en gel. Voilà, donc j'y ai pris ça. J'y ai pris ça. Après, j'y ai pris aussi l'auto-bronzant en spray. Voilà, il est marqué en français là, lotion auto-bronzante. Donc j'y ai pris ça, donc je vais lui appliquer
sur les jambes pour être sûr qu'elle en ait partout. Ils disent apparemment il y a de l'huile d'argan et de la carotte, de l'extrait de carotte. Voilà, on verra bien si ça fait. Mais c'est moi qui vais lui appliquer, comme ça elle en aura partout. Et elle s'est pris aussi l'huile scintillante bronzage sublime Monoï de Tahiti. Illumine le bronzage parfum des îles. Ça, c'est bien ce qu'elle aime bien, Laure. Et c'est la marque Soleil des îles, qui est une bonne marque qui faisait tant aussi la sens, graisse à traire. Si ça sent pareil que... Ouais. Je sais pas. Ah, ça fait du... Bon, j'ai eu le doigt tout bronzé maintenant. Ah, ça sent bon. Moi, c'est pas l'odeur que je préfère. Ma fille, elle adore ça, donc c'est le principal. Hein. Après, donc... ah oui, puis je me suis pris aussi... Je me suis pris du Listerine. Donc, il y en a un pour moi et un pour mon fils. C'était les deux seuls bleus qui restaient. Et comme j'adore que le bleu, parce que le blanc, ma fille l'avait essayé une fois, m'a dit c'est pas top. Et je crois que j'avais essayé, moi. J'avais pas trop aimé non plus. Après, donc, ma fille, ben, à Clairs, dans le petit kiosque Clairs, à Géant Casino, elle s'est trouvé ça. Elle s'est pris des soquettes de Harry Potter. Voilà. Et c'était 9,99€. Ouais, pour dire 10 euros, quoi. Il faut chercher les prix, parce que les prix chez eux, c'est là. Mmh. Et c'est écrit en tout petit. Donc, elle s'est pris ça. Donc, vous avez comme ça. Et la deuxième paire, elle est comme ça. Mais elle a vu d'autres choses et tout, mais... elle s'était vu une pince, il y avait le stylo avec la boule. Mais le stylo, franchement, ça vaut pas le coup parce que c'est du plastique. Ouais. Donc, ça fait même pas réaliste. Par contre, elle même la pince, je l'ai pas pris parce qu'avec mes cheveux et tout, j'aurais pas pu tout prendre. Donc, elle s'est pris un collier avec des pendentifs. Donc, je pense que ça, ça doit représenter Edwige. Non, ça, c'est le vif d'or. Donc, attends. Oui, ça, c'est le vif d'or. Ensuite, vous avez la lettre qu'on reçoit de Poudlard. Ça, c'est le logo de la plateforme 9¾. Ça, c'est le signe des reliques de la mort. Donc, la baguette de Sureau, la pierre de résurrection et la canne d'invisibilité. Et après, le pendentif HP qui veut dire Harry Potter. Donc, ceux qui aiment bien Harry Potter connaissent, moi, je ne connais pas. Mais comme ça, ben, elle peut tous les mettre dans le canapé. Enfin, dans le collier. Et après, elle s'est pris un collier aussi à Action avec une paire comme ça. Elle m'a fait choisir et j'ai dit celui-là est plus joli que l'autre. C'est un quartz rose en pierre. Ouais. Et normalement, c'est plus du plastique. Oui, mais normalement, ça, le quartz rose, c'est pour le calme, la créativité et l'amour. Ouais, normalement. Moi, ça ne marcherait pas avec moi. Non. Donc, voilà les achats du jour. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, mais sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.